Et salut à tous, donc j'espère que vous allez bien les gars, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo parce que le nouveau pack Légende Estivale est sorti comme vous le voyez à l'écran. Donc quelques petites infos les gars avant de l'acheter parce que vous le savez, on va du coup faire le pigeon comme d'habitude, on va l'acheter. Donc la petite info c'est que les gars, le pack est sorti actuellement déjà sur Xbox PS4. Donc je ne l'ai pas encore vu sur PC ni sur Switch. Si vous ne l'avez pas encore sur votre console ou sur votre PC les gars, il suffira tout simplement d'attendre. Ils mettent toujours les packs en avance sur du coup la PS4, mais du coup si vous ne l'avez pas sur les autres plateformes, il faut attendre un petit peu et il apparaîtra. Donc ce pack les gars, il n'est pas achetable en V-Bucks. Ce pack les gars, il est vendu à 20€. Vous avez la tenue de Zoé tropicale, l'accessoire de dos, sac torsade, la tenue banane de plage comprenant des styles additionnels, l'accessoire de dos cabanana banana, la tenue chaperon estival comprenant des styles additionnels. Donc ils ont tous globalement des variantes. Donc les gars, comme d'habitude, on va l'acheter. Ensuite on va regarder un petit peu le skin. À la fin de cette vidéo les gars, je vous mettrai le gameplay. Donc sans parler, donc je parlerai tout simplement pas. Et je vous laisserai tout simplement le gameplay du skin pour que vous puissiez voir un petit peu comment il rend en game. Donc je vous mettrai bien évidemment les trois skins avec leur sac. Comme ça, ça vous donnera directement une idée de comment les skins rendent en game. Aussi les gars, petite information importante avant d'acheter ce pack. Si vous voyez que mon micro est différent, c'est tout simplement parce que je suis actuellement en train de rec sur la PS4. Alors que d'habitude je fais mes vidéos sur PC. Donc si la voix est un petit peu différente, voilà, je suis désolé les gars. C'est juste parce que voilà, là je suis sur PS4. Donc du coup je rec sur PS4. Donc le micro il peut légèrement changer. Du coup les gars, c'est parti, on achète le pack et comme ça on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans, les skis, les sacs, etc. Donc c'est parti. Ok les gars, donc on se retrouve après un petit cut, donc objet reçu, merci de jouer à Fortnite. On obtient tout simplement le premier skin qui est chaperon estival, donc c'est pour mieux se détendre. Mes enfants fait partie de l'ensemble légende estival, donc ça c'est le premier skin avec tout simplement ses variantes. Ensuite on a tout simplement le skin Zoé qui n'a pas de variante, donc Zoé tropical, le chaos passe mieux quand il déborde de couleurs, fait partie pareil de l'ensemble légende estival. Et le troisième skin c'est tout simplement un des meilleurs je pense, franchement dites moi ce que vous en pensez en commentaire les gars, banane de plage au chaud, on est mieux sans sa peau, fait partie de l'ensemble légende estivale. Ensuite on a bien évidemment leur petit sac, donc le sac Bezas de trappeur qu'elle a de grandes dents, donc voilà. Ensuite on a le sac du coup torsade qui ressemble à un petit bonbon, donc une forme alléchante. Et le troisième sac du coup cabana banana 100% banane, donc voilà, ça c'est le petit sac qui va avec le petit skin banane. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre skin préféré de ce pack, soit du coup chaperon estival, soit le skin Zoé tropical qui elle malheureusement n'a pas de variante, ou bien tout simplement un des meilleurs skins, voilà, banane de plage. Donc voilà les gars, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire quel est votre skin préféré. Ensuite les gars, on se retrouve directement dans le casier. Donc le premier skin c'est banane de plage, donc voilà, avec son petit short. Donc c'est tout simplement le skin banane de base, mais qui s'est mis du coup au thème du jour. Donc tout simplement la plage avec un petit short de bain. Il a enlevé sa petite peau parce qu'il fait chaud, voilà, avec le petit chapeau de paille un petit peu à la Luffy. Donc je trouve ça vraiment ultra stylé. Ensuite on a tout simplement chaperon estival qui est juste ici, donc tenue plutôt rouge. Donc pour ceux qui s'en souviennent, on avait déjà un skin chaperon rouge, sauf que là ils nous l'ont ressorti en tenue de plage, prêt à passer l'été, voilà tout simplement. Et enfin on a Zoé tropical, donc pareil on avait un skin Zoé qui avait été offert avec les cheveux roses et là on a tout simplement une variante de Zoé qui part à la plage, voilà Zoé tropical, vraiment très stylé, un petit peu aux couleurs des bonbons, là on peut même voir sur le torse plusieurs petites couleurs, voilà donc franchement je trouve ça grave stylé. Ensuite on passe directement au sac, donc ça c'est Bezas de trappeur, donc c'est celui qui va avec le petit chaperon estival, donc avec un petit pistolet à eau derrière, un petit couteau, un petit du coup piège à loup qui est juste en bas du sac, voilà franchement je le trouve stylé, un petit peu rouge avec une petite queue de renard ou de loup à droite, voilà juste ici. Ensuite on a tout simplement le sac du skin banane et franchement il est hyper classe aussi. Bon je préfère honnêtement le skin banane sans son sac, mais en tout cas le sac passe bien. Donc voilà, petit sac jaune aux couleurs de la banane avec le petit smoothie banane, enfin en tout cas la petite canette juste à droite. On a aussi une petite fermeture éclair banane, donc franchement c'est ultra sympa. Et le dernier sac tout simplement, sac torsade, donc un sac bonbon qui va avec tout simplement Zoé, avec la petite fermeture du coup monstre. Donc là on peut voir un petit monstre, voilà, quand on bouge et tout, quand on se déplace, ça se déplace aussi. Donc les gars, comme d'habitude je vous laisse avec le petit fond de gameplay de ces trois skins, voilà je vais vous faire la vidéo directement sur PC de ces trois skins, comme ça vous l'aurez de meilleure qualité. N'hésitez pas à me dire du coup les gars quel est votre skin préféré, n'hésitez pas aussi à me dire vos compos que vous allez utiliser si vous avez acheté ce pack, et si vous allez acheter ce pack, voilà dites moi tout simplement si vous l'achetez oui ou non. Et sur ce, comme d'habitude les gars, si cette petite vidéo de présentation de pack vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et puis sur ce les gars, je vous laisse avec le petit fond de gameplay de ces trois skins.
Zagora.